Moi, j'ai venu que pour ça. Ah ben, je sais bien que t'es venu que pour ça. Nous, tu t'en fiches. N'est-ce pas? Si, c'est un petit peu. C'est pour les excursions, quand même. Merci. Je m'appelle Ouni Matassi, mais vous pouvez m'appeler Ouni. Je suis la responsable du quartier. Là, il y a un fou qui sera vôtre durant toute la soirée. C'est ton comptoir qui a créé cet homme en blanc et noir, un certain Gaspard Duvet, son bordelais, traitant de la gomme à la vie. Il avait ses frères Justin, Bruno et lui-même. Ils étaient trois. Et donc ici, c'est en quelque sorte une résurrection, animée maintenant par la compagnie du fleuve. Et le père de cet homme, c'est lui qui a cherché à bouger là-bas. Voilà. Il avait donc cette péniche que vous avez en dessous de l'exposition du quai. Il naviguait, entre autres, il avait un bateau qui s'appelait Fayako. Voilà. Il y avait le Boufleux. Ouais. Il y avait le Boufleux, le Bou El Mokdad, il y avait le Fayako, il y avait également le Kermou. Et voilà, qui naviguait ici. On a le droit de poser des trucs. C'est pourquoi ça sert à quoi cet objet? Ça sert à peser le plus lourd et le moins lourd. Effectivement, pour acheter les fruits. Donc à partir de 1744, vous vous rappelez, c'était les mouvements qui ont conduit à la révolution de 1789. Nous avons été donnés par la France à l'Angleterre sous protectorat anglais. Et donc c'est le gouverneur Pierre Barthélemy David lui-même qui, gérant cette concession du Sénégal, avait commencé l'édification de ces comptoirs-là le long du fleuve. Une architecture qui démarre en sens sud-nord. D'abord la gomme arabique, vous voyez, c'est cette sève d'acacia. Il fallait blesser l'arbre avec donc la base du triangle là-haut, le sommet en bas. On jonchait au tube d'écoulement et on avait donc ces céramiques, enfin ces boules de terre cuite. On faisait un carreau ici et une bande pour maintenant attacher autour du tronc. Comme la sève se déversait ici au bout de 72 heures, elle était sèche comme du cristal,
et à base d'une lame métallique ou d'une machette, on pouvait décanter cette sève d'acacia. Et contre la lumière, on a l'impression que c'est des pépites d'or qui brillent dedans. La bien meilleure qualité internationale. Une fois mise en effet sous la chaleur, vous aviez le sirop de teinture. Vous aviez aussi le latex, la chambre à air, la pastivanda. Vous aviez les comprimés aussi de ganida contre les maux de ventre. Vous aviez la chambre à air et le pneu entre autres. Et donc ici, c'était en quelque sorte des porteurs. Quand on avait de l'or, il y avait des caravanes de marcheurs qui étaient organisées. On portait son panier ou bien sa bassine d'or, on marchait la nuit. Arrivé ici, il y avait également, comme on n'avait pas la balance romervale ni la bascule, on a inventé maintenant des pots, en quelque sorte des genres de pipes qui étaient circulaires au sommet, une balle en triangle en profondeur. Selon l'écart du creux et la profondeur, étaient estimés les 5 grammes, les 10 grammes, jusqu'à 1 kilo. Et qui fut maintenant ces pipes de manches en acier, on les appelait les pots d'or. Pots d'or, on a supprimé le thé et la poisson, c'est devenu pots d'or. Aujourd'hui, donc, des tuileries de Marseille, aux poteries de pots d'or, juste même les frigos à pétrole, les coffres que vous avez ça et là, évidemment, c'est le comptoir en quelque sorte. On avait deux types de berbères. On avait les berbères Lemtouna, on avait les berbères Zénéga. Les Zénégas, c'était depuis le Moyen-Âge, c'était des médecins qui soignaient les maladies subtropicales avec donc la botanique. Alors quand on descendait du Maghreb vers maintenant les pays, parce qu'il faut vous dire jusqu'en Égypte, les berbères étaient de grands éleveurs, de grands voyageurs à la découverte du désert. Ils voulaient aller jusqu'à la fin de ce qui était donc considéré comme la partie entre l'Afrique subsaharienne et la mer Rouge ou la mer Méditerranée. Et ce sont ces Zénégas qui, depuis le Moyen-Âge, quand on descendait du Maghreb vers ici, de simples passagers disaient qu'ils partaient vers le fleuve des Sénégal. En provenant de l'intérieur du Sénégal, les Sénégalais disaient qu'ils allaient vers le fleuve des Sénégal. Et Sénégal, c'est de là qu'a dérivé le mot Sénégal. C'est faux ce qu'on raconte sur la côte, que c'est Sénégal notre bateau de pêche. C'est faux. Les colons étaient arrivés ici au 15e siècle. Depuis le Moyen-Âge, c'était les Berbères. Vous voyez ? Donc c'est le nom Sénégal. L'explication plausible du nom Sénégal, c'est ces berbères Zénéga. C'est une transformation diachronique du mot Zénéga. C'est le centre de formation des jeunes filles dont je parlais. C'est un ancien comptoir, même titre que les autres. Donc, c'est Sœur Célestine que voici, et Sœur Jeanne qui est maintenant qui est retournée au pays pour un certain temps. Quand elles sont arrivées ici, environ 15 ans, la scolarité des filles n'était pas vraiment l'objectif de ces populations du Nord. On disait que la fille, une fois qu'elle est mariée, le mari s'occuperait d'elle. Donc on a privilégié la scolarité aux enfants, ce qui n'était pas vraiment. Comment maintenant pallier cet analphabétisme criard ? On a créé ce centre-là. Certains ne sont jamais allés à l'école, d'autres ont quitté tôt l'école. Donc on a pu faire un recrutement en quelque sorte, mais dans un premier temps, comme c'est des populations musulmanes, on ne savait pas quelles étaient les orientations de ça. Il n'y avait que 7 filles au départ. Donc elles sont entraînées ici à l'écriture, à la lecture, à la conjugaison, et aussi la couture, broderie, teinture, et aussi la cuisine, l'art culinaire. C'était des machines à poudre pour la plupart. Et face au fleuve, c'était les maisons d'écoulement de produits. Mais à l'intérieur, vous aviez aussi des stocks de marchandises. Vous voyez ? Vous savez que les marchandises, quand elles étaient d'origine animale, telles que les peaux d'animaux ou les défenses d'ivoire, à vous raser même les défenses d'ivoire avec une lame métallique, une fois que ça rentrait en contact avec l'humidité, c'était des odeurs nauséabondes. Donc il fallait sécher ces marchandises-là. C'est pourquoi dans chaque cour, devant chaque maison intérieurement, vous avez une énorme cour. Si la gomme arabique aussi, comme elle était gluante, ou à défaut ça collait les doigts, on pouvait étaler une bâche sur le sol
et maintenant la sécher jusqu'à la teneur voulue, à son tri et aussi à son exportation. On faisait des sacs de vin à 25 kg. Et donc, il y avait des bacs flottants qui étaient donc les lieux de tri flottants au niveau du fleuve. So as it was impossible here for 73 years, it was humanity that. Mm-hmm. Moreover, those who go to school and also the family, entire family. Mm-hmm. He has a studio here, doesn't he? Yeah. De formation maritime de Dakar. Thank you.
Le chef de village, lui c'est le directeur, monsieur Si, et l'autre c'est le neveu Abou. Abou c'est le neveu du chef de village. C'est monsieur Mbouti. Il est bienvenu parmi nous. Il dit que le village aujourd'hui on le partage. Donc, on est très content de votre visite cet après-midi. Pour ceux qui voudraient vraiment visiter la nouvelle Ça vient du canal et la station de pompage est environ à 7-8 km d'ici. Ah, d'accord. Mmh. Mais c'est des écluses. Parce que ça fait le guide en fait. Chaque animal, c'est là où il va. On va ça continue comme ça et puis on suit le chemin. Cette construction-là, c'est ce qu'on appelle la construction soudanaise. C'est une construction aussi qui opte également les critères du milieu. On peut, ça c'est des briques de terre séchées, mais c'est un compactage, un mélange de douze de vaches, de terre, de champs et d'eau. On peut faire des briques de terre séchées où le fil à plomb doit dresser par exemple la ligne du mur. Mais également on peut faire des murs aussi en compactage de boules de terre, lesquelles sont vraiment bien empilées. Et on peut tailler maintenant avec une lame pour donner au mur sa forme rectiligne voulue. Au-dessus également, vous constaterez un lourd branchage d'acacia. C'est des branches qui sont assez droites, pas totalement comme une règle, mais droites, évidemment, qui traversent la largeur du mur. Il y a un tissage de branchage secondaire, lequel est à la perpendiculaire pour maintenant mettre le même matériau de l'avant vers l'arrière de la maison de façon oblique. C'est en prévision des pluies. Comme la bouse de vache imperméabilise les murs, il peut pleuvoir pendant une heure de temps, il n'y a aucun danger.
bien. On découpe le dos des moutons. Vous prenez la table là, allez vous servir là-bas. Oh!
La semaine dernière, comme il est aussi camionneur, il était à Saint-Louis. Et il était donc à l'école des arts avec son frère. Premier cycle terminé, le second cycle également, ça devenait de plus en plus cher. Que finalement, il s'est spécialisé en teinture, en art décoratif, en portrait, vous voyez, et aussi en musique. Au Nigeria, au Gabon, en Guinée, jusqu'à même au Dahomey, au Togo, on exporte sa verre des jaunes. Et c'est des couleurs qui viennent du naturel. Et aussi, comme on travaille dans une zone où l'élevage est très intensifié, avec les troupeaux de zébus que vous constatez. Et donc ici, c'est en quelque sorte la fierté des éleveurs. Chez les peuls, quand il y a un troupeau, plus il est grand, il se voit quand même aisé. Et aujourd'hui, on pratique une embouche bovine pour vendre du bétail, mais ce n'est pas notre coutume. La bête n'est sacrifiée que pendant les stades de la vie exprimés par la calvade. Une naissance, un décès, un mariage, un baptême ou bien également la dot. Voyez la bienvenue. Ça va bien. Ah, bonjour. Bonjour. C'est l'école qu'on appelait anciennement l'école régionale. Et ici, c'était le compartiment qui était réservé aux jeunes filles, aux petites filles africaines. De l'autre côté, c'était les garçons. Mais il a été créé en 1901. Regardez ces deux bâtiments. À l'époque, il y avait des tuiles. En dessous, vous voyez les briques de terre cuites. Vous voyez les briques de terre de Toulouse. Ouais. Tout ce patrimoine le long du fleuve, comme ici, Dagana, Saint-Louis, jusqu'à Massam, Grosso-Bi, même à Trabatel, et à l'intérieur du Mali, c'était ces voiliers-là qui étaient chargés de transporter ces marchandises. Et j'ai souvent dit qu'il n'y aura jamais de développement sans l'école. Connaître, c'est aimer d'abord et après. Voilà. Tu as là. Je vais le parler du cursus un tout petit peu. L'école compte 325 élèves. Donc on prend les enfants à partir de 6 ans, 7 ans. Les cours, c'est de lundi au vendredi matin, de 8h à 13h, avec une pause de 30 minutes à 11h. On revient ici les après-midi seulement le mardi et le jeudi, de 16h à 18h. En dehors de ça, il y a des maîtres de CM2 qui organisent des cours de rattrapage. Le samedi, pendant les fêtes de Noël, de Pâques, donc eux, ils viennent uniquement pour renforcer. Et ce qui fait que donc, nous avons un très bon résultat. Nous avons ici 7 femmes et 4 hommes. Nous avons une maîtresse en arabe. Dans les classes, au niveau du CI, les enfants viennent sans rien dans la tête, uniquement leur langue maternelle. Donc au CI, c'est un peu difficile, c'est des classes très difficiles. Donc on est obligé de faire le langage. CI, c'est le CP en c'est la première classe. Donc quand ils ont 6 ans. Ils ont 6 ans, 7 ans ou 8 ans. Bon, il y en a qui viennent des écoles préscolaires, qui font là-bas 3 ans, 4 ans après. Ils viennent ici. La maternelle n'est pas obligatoire. Non, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. C'est comme l'école préscolaire. Mais même ici, c'est pas obligatoire. Ça dépend de la volonté des parents. Donc, il sort de l'école élémentaire ici avec le CFE, il arrive au collège à 13 ans. Oui, 13 ans. 13 ans au collège. Oui, 13 ans, 4 ans.
Et il sort du collège à quel âge? Le collège, c'est 4 ans. 16 ans, après ils font le lycée. Ils font la seconde, la première et la terminale. Ils passent le bac, ils sont admis. Ils sont orientés à Saint-Louis, il y a une université à Dakar, à Kaolack, mais à Bambéa. Bambéa et Zéguin. Je suis étonnée qu'il y ait un lycée à Dagana, le premier habitant. Les enfants, loin de faire les 38 000 habitants. Ah, les enfants viennent sans doute pour le lycée de très loin. Oui, il y en a qui habitent ici. 11 et quoi le quartier autochtone là. Et le lycée est un peu loin. Il est là-bas. Il y a un seul lycée. Il y a un seul lycée. De toute la commune et des alentours aussi, les villages alentours. C'est ceux qui habitent. La distance la plus longue pour un élève. Pour un élève, oui, à peu près 2 km. Monsieur, il y a une question qui fait. Après, c'est de bas qui fait chaud. Elle a tendu le doigt. C'est entre la grande section et le CP, parce que les enfants ici ne parlent pas le français à la maison. Donc ils ont une classe supplémentaire pour parler mieux le français. Parce qu'au CP, c'est la classe où tu apprends à lire. Si tu dois faire l'effort d'apprendre à lire, et en plus d'apprendre à parler, c'est beaucoup de choses dans le cerveau. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, le CI, c'est le langage. Voilà, on fait des chaînes de langage. Voilà. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à parler le français. Ensuite, ça s'est mélangé avec les activités arithmétiques. Ici, donc, ils vont apprendre de 1 à 20. Pour les enfants. Un cahier qui finit l'école, comme les parents des fois sont loin, il vient, son professeur signe et il vient, on lui change un nouveau cahier. Et si on renvoie un enfant de nomade pour lui dire va chercher le cahier pendant que papa et maman sont à 800 km, bonjour l'analphabétisme. Voilà. Il ne reviendra plus jamais. Et c'est ce qui fait mal à l'Afrique. Et comme on n'a pas d'école ambulante, et tous les peuples qui sont des nomades ne vont pas dans la même direction. Vous allez voir le village. Ils parlent la même langue que ceux d'hier après-midi, mais quand on va en transhumance, le peuple chez nous aussi, c'est comme le Touareg dans le désert. Même avec une faible pluviométrie, il sait où trouver de l'herbe pour la survie de son bétail. C'est des gens qui sont très intelligents. Hein? Ah oui, ça c'est une remarque particulière. Voilà. J'avais des statues chez des petits. Ça, cet arbre-là, il est super. André Bruy, dans le but de diminuer les hostilités entre également les deux forts, celui de Saint-Louis et celui de Podor. Et donc, comme il était venu avec également ses ambitions, il avait donc chargé un notaire qui s'appelait Entreville de la Salle, travaillant au service foncier de Saint-Louis. Et c'est cet homme qui est venu négocier l'achat de ce terrain-là. Il aura laissé au niveau des archives à Paris, à Nantes, à Marseille, comme à Bordeaux, que sur la berge qui était plate et boisée, ils avaient acheté un terrain de forme quadrilatère, c'était un rectangle. Qu'ils y avaient construit une petite caserne, c'était ce fort-là en l'occurrence, et ce fort-là était entouré de murs de la même forme, aux quatre angles duquel il y avait des bastions. Les bastions, vous les avez vus au fort de Podor, c'est des arcades qui sont ouvertes en cas d'attaque par l'ennemi, on pourrait répondre par ces ouvertures de l'intérieur vers l'extérieur. Ah, ça fait du bien. Wow. Hey, il est 19h09. Allez, en apnée. Tu vas
en avait plein ici, mais peut-être les gens vont nous enlever. Calège. Ceci, c'est des nomades. Quand vous voyez un habitat comme ça, c'est que le peuple bouge. Et vous voyez, en été, quand il commence à pleuvoir dès le mois de mai, juin en Guinée, vous voyez, il y a un tronc marron, le larg. Oui. C'est la hauteur d'eau en été. Vous voyez? Donc une bonne partie du village est inondée. Et ils sont obligés de partir parce qu'également, on ne peut pas rester là, les pattes des animaux plongées dans l'eau pendant tout l'été. Ça crée des infections et le bétail disparaît. Donc non seulement, il y a aussi la proximité des agriculteurs. Vous voyez, tous ces champs-là étaient cultivés en riz dans un premier temps, lequel a été récolté pour mettre de la patate douce maintenant. Et au mois de mai aussi, une troisième raison, c'est que vous voyez ces fruits de mimosa jaune. C'est une protéine des plus prisées des animaux et des herbivores. Donc tous ces fruits-là seront finis au mois de mai. Donc on est obligé de partir parce qu'ici dans la vallée, il n'y a plus d'herbe pour maintenir le bétail en vie. Donc on descend d'ici, on ferme la cabane et on s'en va. Comme il n'y a pas de borne fontaine ici, ils vont chercher, ils chargent par exemple la charrette, une trentaine de bidons. Ils ont 600 litres d'eau potable à partir de la fontaine de Dagana et ils transportent ici. S'il s'agit maintenant de l'eau pour le linge ou bien la douche, ils ont un puits à côté. Le tissage de la cabane, c'est un art particulier. Des poutrelles qui sont plantées dans le sol, surélevées par des lianes d'eucalyptus ou un branchage flexible. Et ensuite, à la perpendiculaire, on attache également d'autres lianes comme un filet en bois. De forme oblongue, le reste maintenant, pour l'alentour, ça pourrait être des feuilles de ce palmier que vous voyez là-bas. Ou à défaut, on peut faire des palissades de paille ou bien de canne qu'on a récupéré du fleuve. Et au-dessus maintenant, une paille mais également tissée en rouleau. Et on étale des deux côtés. Pour éviter que l'eau, en cas de pluie imprévue, filtre dans la cabane, on met une bâche en dessous avant la couverture du toit. Il y a un troupeau qui arrive de l'autre côté avec un berger. Oui, ils arrivent dans... C'est les petits ruminants. Comme aussi, il n'y a pas assez d'herbe dans la vallée, et on a conservé beaucoup de troupeaux de zébus, maintenant ils reviennent avec les petits ruminants. C'est beau, là, quand ils les voient. Ils étaient partis de nuit pour revenir, maintenant. Voilà, on va entrer dans la famille de Diallo. Bye. Allô. Le merle métallique à longue queue. Tu vois, il bouge les mains. Là, vous avez une architecture différente, celle qui domine en Casamance, jusqu'en Guinée. Une partie du Niger, la Guinée-Bissau et aussi la Guinée-Conakry. C'est cette rotondité qu'on construit. Ça, c'est des épines. C'est pour vous savez, les animaux, des fois, en manque de protéines d'origine sèche, peuvent manger la paille. Donc, on met. Tu as vu, il y a même de la litière qui a été. C'est des crottes de leur crotte, même des animaux. On a fait. Donc, ça sent caca, il ne va pas manger. Son père est mort à l'âge de 106 ans. Et donc, comme il était très raffiné au niveau des contacts, ils l'ont reconduit à la volonté de tout le monde du village. Il s'appelle Sidi Diallo. Quand on passe, il faut dire bonjour au moins à un notable. C'est comme ça qu'on pratique ici. Reconstruire les maisons, c'est
quand il s'agit, quand ils reviennent, en général, c'est comment obtenir 2-3 ans. Oui. Mais maintenant, si ça a été rongé par les termites ou l'humidité a détruit les poutrelles, là, il faut reprendre. Allez, on rentre, il commence à faire chaud. This is the end. Hold your breath and count to 10. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. I've drowned and dreamt this moment. So swept away, I'm stolen. Let the sky fall when it crumbles. We will stand. Madou, thank you.
Matar Bouel Moglam, ça voulait tout simplement dire Matar, petit-fils de Moglam. En langage Hassamiya, c'est Bou, ou Oul, en mauritanien. Vous voyez, Ibn en palestinien et Ben comme Ben Laden en Arabie Saoudite. Oui. Donc il faut lire le nom à l'envers. Matar, petit-fils de Moglam. Oui. Et donc il était né en 1826 de père mauritanien et de mère d'Oré Fondé. Les tout noirs en vol, c'est des cormorans. Vous avez un ibis falcinelle. Dans la terre, on amortit avec des roseaux ou bien un plumage quelconque ou des fleurs. Et chaque femelle devra pondre entre 3 à 4 œufs. Une couvée entre 30 à 35 jours, c'est l'éclosion. Ils naissent complètement noirs comme du charbon. Au bout d'un an, un an et demi, ils passent de la couleur marron au gris, au beige, puis maintenant c'est la couleur blanche, adulte. Et chaque pélican a besoin de 2 kg de poisson en moyenne par jour pour se bien maintenir en vie. S'il n'y a pas assez de nourriture, ou bien après la couvée, il manque de la nourriture pour les petits, au moment où meurent les poussins, ils ne reviennent plus dans les parcs. Mais c'est comme ça. Et vous voyez, peut-être qu'ils nous sentent, mais ils s'en fichent hein, parce qu'ils ne sont pas menacés. Oui. Donc le parc ici, c'est 16 000 hectares. Aux 12 000 hectares, quand on a senti maintenant l'extension des espèces en surnombre, on a augmenté encore 4 000 autres hectares. Oui. Mais je ne regrette pas qu'on soit venu à une heure. Parce que dès que le vent commence à être très fort avec de la fraîcheur accentuée, il remonte vers les dortoirs de la savane pour se protéger maintenant avec, j'aurais dit même, des brise-vents naturels faits par les arbres. Ouais. Là où j'avais fait de très belles photos. Voilà.
Comme il y a des lacs aussi qui n'ont pas encore séché, ils trouvent à manger dans la savane, ils restent là. Vous voyez ? En petits poissons, parce que les eaux ont remonté un peu plus loin, plus d'un kilomètre dans la savane. Certains lacs, quand l'eau se retire, font des prisonniers de poissons et de bandes de batraciens. Donc ils se nourrissent là. Oui ? Et l'été, quand il fait très chaud, là, ils remontent au nord ? Non, mais à partir de la mi-mai, ce sont les pélicans qui s'en vont les premiers. Mais les espaces seront occupés par les flamants roses qui sont environ à 3 km d'ici. Oui, au Grand Mirador, au Petit Mirador et l'autre lac aussi. Oui. Le crocodile peut les manger, mais ils ne se laissent pas faire aussi parce que tu vois la pointe de leur bec. Il y a un triangle qui, on dirait, un mélange de fer et de bois. S'il pique dans l'œil du crocodile, c'est fini. Il descend dans l'eau, l'infection va jusqu'au cerveau et c'est la mort. Donc chacun fait attention à l'autre. Voilà. Il s'appelle Héro Biro. Il est là. Oh, il est parti. Il est là aussi. Il est là. Ouais. Ah, il est bien là. Là, c'est les martins pêchiers. On va les blancs. Ouais. Passe à droite gauche. C'est bon là. Saint-Louis, tu vois, on y arrive. La fin du voyage. La fin du voyage. Oh.
ils sont sympathiques, les gens. Bah, c'est Saint-Louis quand même, hein. Pas long. Là. Le guide, excellent, excellent, le meilleur. Oh là 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 là. D'accord, on est d'accord. On va terminer après, oui. Tu veux Alors la Fatima, si on sait qui vivait, alors la Fatima, tu vas être dégoûtée. Ah, Fatima, en plus, on est tous en train de charrette au début. Qu'est-ce qu'il y a? Fatima, elle avait choisi la charrette, elle va être tout devant. Ah, on va mettre. Assou. Waouh, ça va. Il faut compter que vers les années 1850, on avait beaucoup plus de monothéistes, surtout catholiques, plus que des musulmans. L'islam va jouer un rôle avec les caravanes plus tard. Mais donc, comme la ville s'arrêtait en ces lieux, vous voyez, face à au fleuve, vous aviez les comptoirs. Au-dessus, les logements pour marchands. En dessous, c'était les comptoirs. Et également, comme il y avait les caravanes, parce que peut-être même que Saint-Louis a exercé une certaine vengeance sur son passé, l'Église aura joué beaucoup même dans la soumission également aux colons. Donc la traversée des caravanes, vous verrez tout à l'heure ce que j'appelle la langue de barbarie, une bande de terre qui jonche la Mauritanie sans qu'il y ait le moindre fleuve. C'était l'accès des caravanes au niveau de ce paysage. Et là, c'était la maison du général, à droite. Le consulat de Belgique, c'est cette maison où il y a le palmier derrière. Ah, je me disais bien, c'est Belgique, hein. Ouais, je me disais France, mais c'était Belgique. Hein. Et le consulat de France, anciennement, c'est ce bâtiment qui est rouge. Là, aujourd'hui, avec la réduction. Et là, c'est quoi maintenant, en automne? C'est devenu maintenant une maison de comptabilité du directeur de la compagnie sucrière, le propriétaire lui-même. Ah, ouais. Tous ses comptes, c'est universellement. Tout ce qu'il a dans le monde, c'est là. Et maintenant, comme il y a l'Institut français, le centre culturel, ah, on est venu là. Ils ont tout groupé en une seule procession. Et là, le premier cercle met des officiers, donc on est en train de renouveler la toiture. Là, on voit à droite, il y a un tennis. Et aujourd'hui, il est devenu centre médical de la garnison. J'ai habité cette rue là. Ah, d'accord. Okay. Ma mère elle a grandi à la rue Brière de Lille. Ah, okay. Mon grand-père était greffier au tribunal. Okay. If I listen to you. And then here, I mean, Saint-Louis was just the capital for 7 years, 18 months before.
1903. Yellow fever, I mean, making a big number of dead people among the Europeans. Force now the transfer of the capital to Dakar. And then service is just around there. I think 1958, the capital of Senegal, it was just conserving the transfer to Dakar to them. Unfortunately now, with the cooperation of Lille for the common itself and also the region, I mean, they are creating a restoration plan. And I can say with the help of FH and also other, I can say, masons create, to rescue, the built pattern one. Cette maison blanche-là, papa? Non, là. À droite. Là. Ah. Maintenant, c'est devenu, je crois, le bataillon du commando, le commandement de zone. Ah ouais. T'as vu les militaires devant? Ouais, ouais. Wow. On se concentre, il n'y a pas d'espace à Voilà, en face de nous, c'était la résidence des sœurs de Saint-Joseph de Cluny. Arrivée également, cette instigatrice de la création du courant féminin où les jeunes filles voulaient récupérer des orphelines. Une tâche qui s'avérait difficile. 1819, à la date de son arrivée, comment pouvait-on confier l'éducation d'une fille en général, même si elle était orpheline, l'oncle, le neveu, la tante ont récupéré la fille en charge. Comment pouvait-on confier l'éducation d'une fille africaine à une politique dont les tenants aboutissants demeuraient inconnus également dans la mentalité qu'on avait refusé dans un premier temps. Mais 1819-1822, cette sœur aussi avait enregistré environ moins de 10 filles. Finalement, on avait compris qu'elle n'avait pas que des visées coloniales. Au lieu de 7, on en a enregistré une quinzaine ici. Merci, Ouli. Merci, Ansou. Donc, comme de coutume, à la fin de la soirée du commandant, je passe à la présentation des membres de l'équipage. Donc, je vais présenter ceux qui vous préparent les délicieux plats chaque 13h et 20h. Je vais appeler le chef Djibi Cham. Djibi! À ses côtés, il y a Mikali. Mikali! Il y a aussi Abdou Sissé. Abdou! Je vais appeler le chef mécanicien Ousmane Ndao. Actuellement, il a une stagiaire en mécanicien. Je vais appeler Daba Dabadjou. Le responsable de la lingerie, je vais appeler Bamba Fall. Également.
Mont et de Solarium, Samba Choun. Celle qui s'occupe des massages et soins du corps, Afsa. Le responsable de l'animation, barman du Solarium, celui qui ne se présente plus, Tarko. Il ne faut pas qu'elle nous échappe à son tour. Hein? Ah oui. Alors, vraiment assidu au chevet sur tout ce qui se passe à bord, oui. Essayant de tout coordonner pour que vous passiez d'excellentes vacances. Je ne peux pas être loin dans mon discours. Je vous présente une fille aussi dévouée ici comme ailleurs, Oulimata Anzi. Oh, oh, la, 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 la
Africa. Sur le nid.